Yo yo yo. Hey. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va les loulous. Que vous allez bien. Que vous êtes prêts à atteindre le niveau de seniorité suprême. Alors avant ça. Hop là. On va aller sur cette vue-là, je vais essayer de rajouter un truc. Voilà. Dans OBS, qu'on va appeler Browser, c'est ça? On va l'appeler. Oh. Ok. Est-ce qu'il voit quelque chose? Non. Ok. Débrouillons, faut pas m'en vouloir. Il nous donne les. C'est cool de nous donner la. Manage goal. C'est 1048 sur 160. 1480 sur 160. Désolé, hein. Aussi à la rage, vous me connaissez. J'ai eu le. Donc c'est 1480 sur 140. Ça me paraît un peu. 160. Bon. Ok. Ah voilà. Donc voilà. Notre petit objectif du jour. Yes. Ah, y a Julien qui est là. Oh là 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 là. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et Bobby la charrue. Salut l'ami. J'adore ton blaze. Il défonce. Bon, voilà. Donc, en haut, là, le petit objectif. Ah, attends, j'aimerais bien le récupérer aussi. Ici. Oui, ici. C'est beau. C'est beau. Oui, c'est beau. Donc, on a. Non, par là. Ce petit objectif qui va me permettre de passer la barre des 50 followers et de passer statut affilié. On aura plus de trucs dans le chat, plus d'interactions. Hop. Hey. Suivi ton live pendant que je bricole. Ouais. C'est toujours dans la bricole, mon Julien. Ah là, ça me manque là, quand on se charriait là. Oh là là. Bienvenue à tous. Bon. Aujourd'hui, on reprend les lives sur Clix. Alors, en un mot, qu'est-ce que c'est que Clix? Clix, c'est ce petit projet qui vous permet d'écrire des tests d'acceptance. On va mettre Joe parce qu'il n'a pas l'air d'aimer Jopie, et ça me saoule les warnings. Qui vous permet d'écrire des tests d'acceptance de votre CLI. C'est aussi simple que ça. Et donc la dernière fois, on a une petite problématique que je vais expliquer. Mais pour vous expliquer un petit peu le package, alors Antoine, peut-être qu'il sait déjà, Fabien Guest qui était déjà la dernière fois, peut-être qu'il sait aussi. Mais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc on va essayer d'en détailler un petit peu. Alors, donc tu crées un scénario, tu passes ta commande en premier argument, et après tu écris tout ce qui est censé se passer. Que tu es censé attendre cet input-là. Que tu es censé cet output là, que toi tu veux simuler cet input utilisateur là et que tu attends tel output en résultat. Il y a d'autres choses dans l'API hein, comme expect error. Qu'est-ce qu'on a d'autre? With code, si tu attends un code d'erreur particulier, etc. Désolé. Encore le Covid game. Donc voilà, ça c'était le projet. Et qu'est-ce que je me suis dit qu'on allait faire? On a publié en fait il y a 2-3 lives la première version de ce package-là. Donc on avait fait tout un truc dans la CI ici, pour faire une étape de publish, machin. Je vous passe les détails. Et c'est disponible dans les anciens lives et sur la chaîne YouTube. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est que dans tous les bons repos qui se respectent, on a un exemple. Et du coup, moi je voulais faire un exemple de JS basique. D'ailleurs, je pense que je vais le renommer parce que c'est JS que je vais faire en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai créé un tout petit programme. J'espère que c'est assez grand pour vous, dites-moi. Je vais essayer d'augmenter un peu, mais c'est peut-être après, on voit pas grand-chose non plus. Qui importe readline de Node. Okay.
et qui va poser une question à l'utilisateur, qui va attendre sa réponse et qui va loguer une réponse avec ce que l'utilisateur a donné comme résultat. Pour comprendre ce que ça fait en vrai. Oh, je crois que j'ai perdu un terminal. Oulala, je sens que la machine n'aime pas quelque chose. Merci mon loulou. Oulala, ah voilà, ça va marcher. Donc si je fais un coup de node, alors faut que j'aille dans le exemple. Yes, donc on va dans le bon folder, on fait un coup de node. Bin, il va demander what's your name. Mon name, Julien. Yes, c'est toi mon loulou. Hello Julien. Le programme est tout simple. Et jusque là en fait dans le code, j'avais pas mis d'exemple en JS, tous les tests que j'avais fait, je les avais fait avec des scripts bash. Parce que ça me permettait d'en faire, j'en fais pas très très souvent. D'ailleurs chez Payfit, Julien et Renaud se moquaient souvent de moi. Et donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je run mon test, donc ça c'est encore une fois dans le fichier d'exemple, hein, j'écris ce test là et je dis bah à la fin, le scénario il est censé fonctionner, je suis censé avoir un OK qui est égal à true. Ça c'est ce que fait assert.ok. Il regarde que OK est bien égal à true. Mais sauf que quand je run mon script, je fais ça, et là il me dit scénario should be OK, ça veut dire que le test n'est pas passé. Et donc ça c'est problématique. D'ailleurs ce qu'on peut faire aussi, c'est que juste après... Ah non, je crois que je l'avais fait, voilà. Si ça fait un Z, normalement je suis censé avoir un petit succès. Donc voilà, j'ai pas tout ça, et donc du coup c'est un petit peu triste. Et là je commence à me creuser de ouf, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout. Je me prends la tête. Et en fait je vais essayer de vous faire deviner. D'ailleurs je vais sortir une vidéo sur le sujet tellement c'est humiliant. Non pas toi, toi tu vas mettre un... Voilà, c'était le script, un script équivalent. La même chose en JS et d'un côté en bash. Et je sais pas si vous arrivez à voir la différence entre ces deux choses là. Il suffit juste de regarder le mot. Et ça, c'est un truc que nous, les devs, on devrait se bouger un peu les fesses. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Des fois, juste revenir au basique, lire correctement les choses, lire la doc. Là, en fait, je fais un read. Donc, j'attends qu'il y ait une string, quelque chose qui happen. Mais ici, je fais un read line. Et quand, en fait, si on reprend le code, en lui-même, donc vraiment le code, qu'est-ce qui différencie? Quel est le caractère? Et là, vous pouvez me répondre dans le chat. Quel est le caractère? Donc toi, Jopi, tu sais déjà, donc attends un peu voir si les autres répondent. D'ailleurs, bienvenue, Jopi. Je vais voir si... Après, je vais aller faire un coup dans le chat Discord, voir si y a du monde. Mais en gros, la différence... C'est quoi la différence pour vous quand il y a une chaîne de caractères? Qu'est-ce qui va déterminer? Quel est le séparateur qui va dire là, je saute une ligne? Voir dans le chat si vous pouvez me répondre. Peut-être quelques-uns, normalement. Je ne souffre pas la réponse. C'est pour la okay. Yes, il y a un truc, normalement, qui fait que... voilà. Y a un petit truc. Si vous parsez une chaîne de caractères, que vous devez faire un split pour la séparer par ligne, quel est le caractère? Eh oui, c'est ça, Julien. C'est le slash n. Donc ici, quand je fais un write dans mon process node, retour chariot, exactement. Alors, quand je fais ça, en fait, là, je passe une value. Mais lui, bah, il attend la fin de la ligne, en fait, pour pouvoir... Et voilà, j'avais juste à lire comme un profond débile. Donc, c'est Antoine Duhamel, contributeur Node et membre de la communauté JS. D'ailleurs, il faut aller dans la communauté JS, ES Community, si vous y êtes pas. Et il ne prend pas un retour chariot. Oh, puis du coup, bah moi, bah, bête comme je suis, je vais là... Donc, hop, hop, et là si je retourne test, success. Champion. Gros champion, quoi. Ah, genre, il me tapait la tête par terre, quoi. C'est horrible. Donc, voilà. Donc, normalement, si vous remontez dans le chat, j'ai mis un lien vers le repo de Clix qu'on a ici. Qu'est-ce qu'il y a comme notification? Julien Allaire. Luciano, un très bon gars lui à suivre, je sais pas si vous le connaissez, je vous mets ça ici, il a écrit des bouquins etc, super, super cool, je vous invite à le follow, il partage toujours les bons trucs, on aime bien les copains comme ça. Alors, le package il est là,
On avait ouvert une pull request du coup avec Joe. Et donc du coup, je vais me mettre dans le chat. Donc s'il y en a qui veulent venir, vous me le dites. Hop. Je vais mettre binder le chat pour être sûr. Voice and audio. Normalement c'est bon. Donc ceux qui sont déjà sur le Discord, hop. Vous pouvez aller dans le channel si vous avez envie de parler. Si vous n'avez pas envie, c'est pas obligatoire. On est entre copains. Et moi je vais mettre dans le chat. Alors je sais pas si j'avais pas fait un raccourci. Discord. Yeah, c'est ça. Donc là, dès que vous êtes là-bas, vous me le dites. Après, il faut que je vous fasse rentrer dans le channel. C'est un channel privé, donc je ne fais pas rentrer tout le monde. Mais ça peut être le moyen de venir juste dire bonjour, juste écouter, faire du pair programming. Si vous avez envie d'être actif pendant ce live, alors je pourrais pas accepter 350 personnes. Ce sera en priorité les habitués. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, on avait une paire à d'exemple, donc qui était une draft. Et donc là, je pense qu'on va être capable, du coup, de faire deux choses. La première chose, ça va être de pousser ce code-là. Mais je me posais... Ouais, très bonne question, d'ailleurs. Il y a dans le chat, donc là, il y a une chère qui disait « Design pattern, trop lourd, le livre de Mamino ». Moi, je ne l'ai pas lu. Donc dis-nous, Punisher, qu'est-ce que tu en as retenu? Moi, je viens de finir Multithread JavaScript. Pour donner à deux reprises, pour faire un bouquin sur le TDD et le bouquin sur JS, c'est celui-là, Rust in Action, qui vaut son pavé et qui est orienté système programming. Donc voilà. Donc n'hésite pas à nous dire ce que t'en as à toi, Antoine, ce que t'as pensé de ce livre-là, partager aussi les livres que vous lisez, etc. C'est toujours ça le but. Donc moi, je suis content là, j'ai modifié ce truc là. En fait, je ne l'ai pas vraiment fait à la TDD. Alors du coup, moi j'aurais pensé que dans les tests ici, on pourrait faire un test de validation. Pourquoi je le pense en tant que test de validation? C'est peut-être pas le bon endroit. Alors je vais regarder. Spec. Les steps, donc ça c'est quand je rajoute une step. Peut-être qu'il nous faudra un nouveau fichier de test. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ce truc là. Mais en gros, moi je voudrais un test qui, ici, on essaie de valider que si en fait, parce que là je l'ai rajouté comme ça, et donc mon cas end-to-end fonctionnait. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On devrait essayer toujours d'avoir une approche TDD, on repasse par les tests avant de modifier le code, étant sûr qu'on couvre à chaque fois les modifications qu'on fait. Donc voilà, ça c'est la chose. Donc on va sûrement se créer un nouveau fichier test, new file, et on va se créer un test, on va appeler write.spec.js pour gérer tout ce qui est l'écriture dans le process. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de vérifier est-ce que j'ai un séparateur. Ok. Donc normalement on n'est pas censé en avoir plusieurs. Mais ça va être essayer de récupérer l'input, de le parser de voir est-ce qu'à la fin on a quelque chose ou pas. On va voir quel spec on veut. Mais en gros, si l'utilisateur. Parce que là j'ai rajouté un backslash n. Si j'en ai deux, ça pourrait avoir un effet que je veux pas. C'est-à-dire si l'utilisateur dans son test, il avait déjà fait ça. Et que moi aussi j'en rajoute un de mon côté, ça va être problématique. Donc on va essayer plutôt de détecter est-ce qu'il y en a un ou pas. Et s'il n'y en a pas, on le rajoute. Et s'il y en a un, on arrête. Maintenant, normalement, on va partir du principe que quand ils font un point input, ils ne sont pas censés mettre plusieurs lignes. S'ils veulent mettre plusieurs lignes, ils sont censés mettre un tableau. Voilà. On va partir un peu dans le chat et relire vite fait ce qui se dit dans le chat. Ça se lit facilement, il y a tous les fondamentaux pour devenir une machine. Il y a des bases jusqu'au concept très avancé avec des exemples pertinents et des analogies avec des packages populaires existants. Je recommande très fortement. Bah écoute, tu m'as motivé à aller prendre ce bouquin. Parce que c'est ouf. Ok, dès que je finis Clean Code, je passe sur celui-là. Ouais. Après du coup, tu vois, c'est vrai que ce qui est intéressant avec par rapport à Clean Code, Joe, pourquoi je pourrais même pas te dire de poser Clean Code, hein. C'est toi qui choisis, mais... Par exemple, moi, je faisais le bouquin de Rust, là. Donc, je commençais à avancer un peu dessus et tout.
Vraiment, je me suis dit, mais il y a le bouquin JS qui est tombé, le bouquin sur C++ que j'ai vu, C++ et TDD. Et je savais que prendre des skills en TDD, prendre des skills en JS multithreading, ça m'apporterait plus pour le boulot de tous les gens. Donc faut toujours essayer de faire ce petit truc-là quand on choisit un bouquin. Clean Code, c'est une référence. Il sera encore là dans 6 mois. Maintenant, qu'est-ce qui, toi, comment tu peux juger de ce que va t'apporter Clean Code tout de suite, là, dans les 2-3 mois à venir, de ce que va t'apporter ce bouquin-là. Donc, hésite pas à aller voir le menu, regarder ce qu'il y a dedans, prendre un ou deux exemples pour te dire est-ce que vraiment ce serait pas plus pertinent que je jump sur ce bouquin-là, que je me fasse un vrai programme et que j'essaie d'appliquer les trucs au boulot. Avec Clean Code, bon, alors je crois pas que ce soit des exemples en JS qui est dans Clean Code, je sais plus, pas du Java ou peu importe d'ailleurs, peu importe, mais tout ça pour dire ça. Donc, voilà. Donc, ici, on va vouloir écrire un test. Donc, déjà, on va faire un import de clicks. Non, src. Et on va faire index.js. Très important de rajouter le .js en ESM. Donc, ça, c'est ça. Et je vais importer type ou test. On me tape. C'est bien ça, il le voit. Sont des exemples Java, mais carrément, j'aurais peut-être plutôt. Et tu vois, moi, j'ai pas hésité à poser ce bouquin-là. C'est pas ce qu'il me fallait tout de suite. Je pense que j'ai appris beaucoup plus avec un bouquin sur le TDD, par exemple, parce que ça me permettait de mettre tout de suite en application les concepts. Et avec ça, je me répète un petit peu. Donc là, on va commencer à rentrer dans le code. Du coup, on va retomber dans un truc dans lequel on tombe souvent. C'est qu'ici, ça, c'est une méthode privée. Et ben, tout simplement, on va la changer, cette méthode privée. Donc tiens, je sais pas, d'habitude j'ai mon F2. Je fais un write in proc, donc là je vais l'enlever. Enfin, je vais garder write in proc. Et je vais faire ça. Et voilà. J'espère qu'il me l'a bien changé partout. Bon, je dis qu'une fois, donc. Yes. Pourquoi? Parce que je vais avoir techniquement besoin vraiment de le tester et de le récupérer. T'as vu, venir me TDD avec C++, il y a des bonnes échos dessus. Moi, j'avais TDD de. Bah, c'est super. Un super aussi exemple. Après, le truc que j'aimais bien, c'est Modern, c'est Modern C++ avec TDD, je crois, le titre, un truc comme ça. De loin. Modern C++ Programming with Test Driven Development, écrit par Jeff Langer. Et du coup, ouais, après l'autre, celui de Ken Beck, c'est aussi une référence en fait, hein, y a pas trop de débat. Mais celui-là, je crois qu'il est un peu plus petit. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris le bouquin, et ça, Joe, ça peut aussi te servir. J'ai pris le menu, le sommaire, et je me suis dit, ça c'est ce que je vais lire, ça c'est ce que je vais pas lire. À un moment, il rentre dans des considérations un peu plus poussées, des trucs un peu rentés, C++, multithread et machin. Et du coup, ça m'a permis de downgrade le bouquin à 240 pages, quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus digeste d'ailleurs. Donc voilà, et moi, c'est. La préface de l'oncle Bob dit que dedans, c'est une leçon de design, etc. Donc moi, je le recommande à 200%. Il donne plein de patterns de tests. En plus, C++ qu'on sait être un langage pas facile pour les tests, etc. Je recommande. Je recommande. Franchement, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Après, j'ai une méthode de lecture un peu particulière. On pourra se faire un live sur le sujet si ça vous intéresse. Mais ouais, je recommence. Je recommande, mais fortement, fortement. Et d'ailleurs, ça, c'est une question. C'est dans ce livre-là que j'ai appris ce truc-là. Ce truc de dire ok, là, j'ai une méthode qui est privée. Est-ce que je peux pas la passer publique? Oui, mais normalement, l'utilisateur est pas censé l'utiliser. Ouais. Si, honnêtement, tu lui fais comprendre dans le titre qu'il est pas censé l'utiliser. Je suis sûr d'avoir lu un truc sur ça il n'y a pas longtemps et que ça m'avait donné une idée. Mais là, je m'en souviens plus. Bref. Donc ici on a notre méthode et du coup derrière on va pouvoir la tester directement. Alors ça nous demandera quand même. Que proc il sera pas défini tant que j'aurai pas fait un spawn commande. On sera obligé de faire un cadre run quand même.
crois que j'ai pas trop le choix. Donc, on va faire test. Hit shield. Ah, mais moi, c'est le right que je veux faire. Ah, je suis obligé de refaire un test. Ça va être chiant pour la tester de manière unitaire. Pourquoi je dis que ça va être chiant de la tester de manière unitaire? Parce qu'en fait, ici, il utilise 10.proc, qui est aussi public. Ok, tu auras la méthode publique pour pouvoir... Ouais, c'est ça, exactement, Julien. C'est exactement le concept. Et il y en a qui vont dire que ça viole le principe 2. Mais dans le bouquin, il l'explique. Alors, franchement, il faudrait que je prenne le temps de... Alors, déjà, en JS, c'est tout nouveau. Avant, ça n'existait pas du tout. La pratique, c'était juste de dire, si je mets ça devant la méthode, c'est que l'utilisateur, il est censé l'ignorer. Maintenant, je pourrais très bien exporter deux classes, en fait. Je pourrais très bien tester, moi, cette classe-là, et tout mettre en public, par exemple, ou juste utiliser le système. Donc, je remonte jusqu'au début de ma classe, ma classe scénario. Ça, c'est peut-être, c'est ça l'idée que j'avais. Ce serait qu'on pourrait exporter cette classe-là comme ça, comme elle est, et mettre tous les champs en public ou ce qu'on veut en public private. Et par-dessus, au moment où je fais un clicks, donc ici en fait j'ai un index. Clicks, voilà. Qu'est-ce que fait clicks? C'est lui qui instancie scénario pour toi en fait. Jamais comme ça, toi c'est simplement une fonction clicks. Et il retourne la classe scénario. Mais ce que je pourrais, plutôt que de retourner la classe scénario, je pourrais retourner un proxy en JavaScript. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un proxy, on va aller vite fait sur la doc. Proxy JavaScript proxy constructeur. Le voilà. Donc on lui passe un objet et on lui passe des handlers. Et dans ces handlers, on peut lui dire attention, quand dans le handler il y a un get qui va être fait, s'il fait un get sur telle propriété, tu le retournes nul. Et du coup, ça te pourrait te permettre, alors là par exemple, il dit on a une prod proxyAd et not proxyAd. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On retourne un proxy avec target, donc notre objet initial, et en plus on lui passe un handler object. On lui dit quand il essaie de faire un get d'une propriété, donc je peux récupérer la propriété en question, si c'est ça, tu lui retournes autre chose. Et comme ça, ça lui évite d'avoir accès à ça. Donc ça peut être une manière de re-restreindre l'utilisation. Donc c'est un truc qu'on pourra faire plus tard, ça. Pour reclarifier ce truc private-public, avec un truc qui nous permettra de tester clicks d'un côté, de tester vraiment scénario, et de l'autre côté, ce qui sera retourné ici, en fait, ce sera pas, on n'utilisera plus cette fonction-là, mais... on utilisera directement scénario, on fera notre test, etc. On perdra la validation, mais on pourra la tester de façon séparée. Et du coup, on aura bien les deux. Ça, ce sera un sujet, on pourra ouvrir une issue s'il y en a un qui voudra taper ça ou qu'on le fasse en pair prog, avec grand plaisir. Et donc là, je ne vais pas avoir d'autre solution que de renommer proc en données publiques. Pour l'instant, j'ai pas mille fois le choix. Et du coup, ça me permettra de moquer ça. Un autre truc que je pourrais faire, sinon, c'est utiliser les options dans mon constructeur. Si j'ai commande, avoir un objet option et pouvoir aller set un proc directement moi-même. Qu'est-ce que ce serait que le case de ce truc-là? Un peu du mal. Alors, je vais lire dans le chat. Il existe deux choix, ouais. En C++, on avait le choix proposé permettant de limiter à différents niveaux, ouais. C'est comme en C++, t'as public, privé et... J'ai oublié le troisième, je sais pas s'il y en a un qui a fait du C++. La troisième, c'est Protected, je crois. On va vérifier s'il y en a qui ont fait du C++, n'hésitez pas à nous dire ça. Et donc Protected, elle, ça va être que par rapport à la classe en question, ou dans un certain... et dans un namespace, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y avait un entre-deux. Je suis pas un pro, encore une fois, du C++. Donc là, ouais, je me posais la question... Est-ce que je pourrais pas lui passer directement un process? Mais ça veut dire que
si quand un spawn command. Soit il fait un spawn, soit il utilise déjà, mais ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Du coup, je pense que le proc, un coup de F2, ça va devenir un proc. J'espère qu'il a bien remplacé. Ça n'existe plus. Ouais. Maintenant, je dois me retrouver avec ça partout. Là, ça me permettra aussi de, bah, de vraiment tester de manière unitaire ma méthode et de pas avoir à faire 50 trucs. Don't save. Oh mince. Moi, je suis bête. Eh oui, c'est moi. F2. R, double check. 7, ouais, donc c'est ça, il a bien modifié partout. On va peut-être écrire un test, non, les gars? Hein? Ce serait bien. Donc. Un. Test. Que write. In proc. Add. On va commencer par ça. Add. If. If the input does not contain, does not contain it. Pas très très fan de ça, de ce titre. On va s'améliorer après, il n'y a pas de souci. Alors on va voir ce que Copilot nous propose. Tac, il récupère writing proc. C'est pas mal, hein? Copilot, ça me fout sur les fesses. Je sais pas vous si vous l'avez ou pas. Mais moi, j'en reviens vraiment, vraiment, vraiment pas. Ok. Donc là, il fait un cert equal, c'est parce que très bien. Ici, on va récupérer le petit T classique à tape. Et voilà. Alors, ça devrait être bon. D'ailleurs, faut qu'on fasse, faut que je parle de ça, faut que je trouve un moment pour le tester, le nouveau test runner qui est intégré maintenant à Node.js, qui fait qu'on n'a plus besoin de ça. C'est juste que pour l'instant, j'essaie de maintenir dans la CI 16 et 17. Donc si j'utilise le test runner qu'il y a dans 18, quand je vais runner les tests pour Node 18, ça passera pas. Donc voilà, et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Alors là, on regarde ce qu'il a fait. Donc il appelle clicks, il crée un truc bidon. Donc ça, je pense qu'on peut, on peut le virer random. Command. Ouais, si, c'était bien. Ensuite, il récupère write in proc. Donc d'ailleurs, franchement, cette ligne-là, je sais pas si elle a trop de sens. Ou alors, si vraiment je le fais, je fais ça. Write in proc. Donc ça, c'est mes inputs. Mon expected, du coup, lui, va en bas. Et si du coup j'ai bien un schéma qui est assez intéressant. Forcy, welcome à toi. La première fois que tu parles dans le chat. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Comme je pense que tu peux le voir juste tout là-haut par là-bas. Hein, on essaie de reacher les 50 followers. Donc voilà, si ça te plaît, si t'aimes le JavaScript, si t'aimes l'open source, on va se marrer. Et je te remercie. Bienvenue à toi du coup. Ça fait trop plaisir. Et le 40e, plus que 10 avant qu'on puisse passer la prochaine step, qui est la step d'affilié. Donc comment je découpe les tests? Je fais toujours un truc comme ça. Ouais, et alors c'est given. D'ailleurs, je pourrais le faire dans le titre. Ouais, c'est juste que j'étais un petit peu vite, mais c'est toujours comme ça que j'essaie de découper les tests. Given, donc pour un contexte donné, quand je fais ça, je suis censé avoir ça. Et c'est... C'est comme ça que ça marche. Ah, tu connaissais déjà la chaîne YouTube? Alors en plus, ce qui est cool, c'est que les lives, normalement, après, je vais essayer de les remettre sur YouTube. Peut-être pas tout le temps, tout le temps. Celui-là, il m'a l'air cool, donc potentiellement, il sera aussi sur la chaîne. Donc, en général, tu retrouveras toujours un peu tes petits. Mais on va essayer quand même d'offrir des trucs aussi en live un peu différents. Et puis surtout, c'est cette interaction qu'on peut avoir. Comme j'expliquais rapidement, du coup, Forces, je sais pas comment je peux te
t'appeler. Mais on a aussi du coup un chat Discord que tu peux retrouver ici et tu peux venir participer. Alors il est un peu mort pour l'instant, il faut vraiment pas m'en vouloir pour ça. Je ne trouve plus la touche. Ah voilà. Pour l'instant il est un peu mort, il est pas organisé parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais bientôt, bah voilà quoi, ce sera un peu plus animé. Donc ok, donc là je vais runner mon test. Alors déjà j'ai commencé à modifier des trucs alors que j'aurais pas dû. Donc là j'ai pas été bon niveau TDD, 0 sur 20. On va revenir ici. On va fermer ça. On va rouvrir un peu ça. Et on va faire un coup de NPM. Run. Test. Unit. Et là j'en ai un qui pète. Donc là, c'est white proc is not a function. Et oui, je l'ai pas modifié encore, et c'est tant mieux. Normalement, j'aurais pas dû faire ça. Et donc, du coup, on va faire un coup de F2 write in proc. Il va passer comme ça. Et donc là, on va se taper une autre erreur. Et là, il nous dit, c'est notre red propony of definite proc. Alors, c'est quoi dans le test? Comment c'est ce truc? De toute façon. Je fais pas de expect actual writing proc. De toute façon, c'est pas ça qu'il est censé faire. En fait, je suis censé faire. En fait, non. Je suis censé faire différemment. En fait, je suis censé faire ça. Du coup, on va faire ça. Ce que je suis censé faire, et c'est pour ça qu'on l'a changé. Ah, laisse-moi. C'est faire un scénario en proc. Et là, je vais essayer de lui passer des méthodes. Donc, par exemple, c'est le std in write. On va importer de TinySpy. Alors c'est quoi déjà TinySpy ce qu'il propose? Pas toi. Je veux pas. On va aller regarder parce que s'il m'emmène là, on a Spies. Porte. C'est Spy, ouais. Spy. Du coup, on va faire un const write. Et on va lui passer un Spy. Ok. Et en fait, write, il va être utilisé ici. Ok. Il manque un truc ici. Ah. Ok. Le lien est valide. Je suis preneur si quelqu'un en a un qui marche. Le lien est invalide. Ok. C'est moi. Je suis désolé. Je suis une chèvre, une biquette. Je m'en veux pas. Je te renvoie ça tout de suite. Invite people. Ah, mais ça envoie sur ça. Attends. Invite people. Ok. Hop. Désolé, je sais pas pourquoi ça change. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, j'ai dû changer un truc qui fait que ça a changé. Donc là en fait j'ai un write spy. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais checker que write. Alors comment ils font dans la doc de TinySpy? On va aller voir ça. TinySpy. Ah oui. Oui. Non. Alors il y a ma tronche là-dessus, mais j'ai pas beaucoup contribué pour être honnête. Point calls. Point results.
Byte.returns. Bon, c'est dans calls que je dois voir ça. Et on va faire calls at parce qu'on aime bien ça. 0. It should be. Et ça devrait être ça. Là, on a un test qui veut dire un truc en fait parce que. Il n'a pas été assez intelligent pour me le trouver. Elle, elle me dit set encoding is not a function. Et oui. En fait, il faut que j'étende un petit peu. C'est-à-dire que ce que je passe dans proc, l'interface, il faut que elle ressemble vraiment à ce qu'un proc est censé donner. Donc on a set encoding. Encoding. Voilà, qui est une fonction. Et on a aussi. End, qui est aussi une fonction. Donc là, c'est ça qui est bien quand on fait du code testable. Salut Julien, merci d'être passé, c'était trop cool. N'hésitez pas à dire ceux qui viennent d'arriver dans le chat, je vois qu'il y en a de nouveaux qui arrivent. Donc c'est ça qui est cool en fait de faire du TDD, c'est qu'on pense toujours à faire le code testable. Donc vous avez vu tout à l'heure, on se disait ouais ça sera pas possible de le faire, on va être obligé de mettre une méthode en public. Mais le fait de pouvoir aller modifier proc directement à la main, lui passer l'interface, ce qui fait que unitairement je peux tester ma fonction. Imaginez si pour tester ce petit bout de truc, je serais obligé de faire un clicks.run et de vraiment spawn un process et machin. Ce serait ultra long en fait. Et le fait de. Et c'est ça aussi qu'ils nous apprennent dans le bouquin de C++, du coup, toi qui me demandais aussi, Antoine. C'est ça qui fait la différence en fait. C'est qu'ils nous disent. Les tests unitaires, c'est censé aller très 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 vite. Comme on check des trucs unitaires, il faut pas qu'on se prenne l'overhead d'avoir à démarrer une DB, d'avoir à démarrer ci, ça. Il faut séparer les deux, en fait. Tu dois avoir tes tests fonctionnels, et tu les runs beaucoup moins, en fait. Là, on va les runner peut-être pendant le live 40-50 fois. Si à chaque fois, on devait spawn tous les process pour tester, machin, ce serait une horreur. Parce que clicks derrière, pour ceux qui ne le savent pas encore, et qui viennent d'arriver dans le chat, welcome. Clicks spawn des process pour René les pour pouvoir travailler avec les commandes qu'on lui passe ici en entrée. Donc voilà, donc maintenant on va René ce test là. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? C'est quoi l'erreur? The proc std in. Ah oui, c'est moi qui fais n'importe quoi. En fait, std in c'était bon. Et tac. Right, il faut aussi lui mettre un truc. Et là, ça devrait être bon. Alors, à la fin, write proc proc. Donc là, il me dit machin. Du coup. Console.log. Alors, c'est normal, normalement, que ça passe pas. Mais on va quand même regarder write.calls pour voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je peux mettre ça avec tabs, c'est normal. What is your name? Alors ça, je suis en train de péter d'autres tests, du coup. Ça, c'est intéressant. Mais dans write... Et pourquoi j'ai pas... Ah voilà, test equal... Function call. Ah non, c'est calls, mince. C'est call que je veux voir. Là, il y a un problème là. Ah si. Donc c'est what is your name, c'est ça. Donc c'est normal que ça pète. Alors on va voir pourquoi je pète l'autre aussi. Ah non, il n'y a que write qui pète en fait. Ah non, c'est à cause du TN que ça faisait péter les autres. Super, ça me rassure. Donc là, et c'est là où c'est cool, c'est que d'abord on fait péter le test, on le met en rouge, et ensuite on va rajouter ce qu'on est censé faire. Là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait passer, ça passe pas. Donc c'est un arrêt que j'ai. En fait, il faut que je fasse deux at dans le scénario. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un petit peu plus lisible. On va faire quand même. C'est pas actual exactement que je veux faire. On va faire ça.
Et là, on va récupérer. En fait. Arguments. Et du coup, c'est le premier argument qu'on va vouloir récupérer dans ce tableau. Ah oui, j'ai pas le droit de faire ça. C'est peut-être un coup de args qu'il faut que je fasse. Voilà. Alors, on va regarder si ça passe. Toujours pas. Undefined is not iterable. Qu'est-ce que j'appelle qui devrait être itérable? D'ailleurs, j'ai un log là, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que je fais là? C'est que ça marche pas. Undefined. C'est peut-être ça. C'est drôle. Ah, mais attends, pourquoi? Ah oui, mais lui m'a fait ça. Ok. Normal. Parce que j'avais un tableau dans un tableau et j'essayais de mettre un peu de lisibilité, mais des fois, copilote, il te. Très bien, monsieur Cocaine. Welcome à toi. Bienvenue. C'était d'ajouter, tu vois, un peu d'expressivité et te faire un petit peu propre, tu vois. Après, je peux peut-être faire ça. Genre, add 0, propre. Et là, lui faire. Donc, c'est plus là, on serait plus arg, tu vois. Peut-être un peu plus expressif, du coup. Quand je serais pas. Et là, on peut renommer ça aussi. F2, donc ça va être. Expected argument. Ah d'ailleurs, je sais pas si c'est argument ou paramètre. Pense que c'est. Je sais plus. Moi, ce que vous en pensez. Expected arguments. Et ça aussi, on va le bouger. On va l'appeler actual argument. Le truc, c'est toujours de rajouter de l'expressivité. On rerun les tests. Et voilà. D'ailleurs. Je sais que Antoine m'avait demandé un truc. Et on est en mode watch, Antoine. Enfin, tu l'avais demandé. Il est là. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, remontez dans le chat. Vous pourrez retrouver les liens du projet sur lequel on bosse. Il s'appelle Clix. Je vous envoie l'APR sur laquelle on travaille. Voilà. Et du coup, vous avez tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste à côté de ma tronche. Si jamais vous voulez. Est-ce qu'il se passe des trucs sur Twitter? Que le monde est en train d'exploser. Non. Ok. Donc là, on a fait le test. Maintenant, il y a quand même beaucoup. C'est un test qui est assez velu. On va voir comment on peut l'améliorer peut-être un peu après. On va enlever les given. When. Et then. D'ailleurs, normalement. Vous savez que je suis censé me torturer aujourd'hui ou pas? Vous savez ça. On peut en discuter. Je regarde s'il y a du nouveau monde dans le chat. Non. Mais normalement, regardez. Je suis censé. Je crois qu'hier, j'ai désactivé parce que ça déconne le PC. Je clique ou je clique pas? Clique? Je clique pas. Ça fait rendre le truc un peu plus long, mais vous, ça peut vous faire vachement rire par contre de votre côté. Moi, je vais pas rire. Mais vous allez sûrement rire. Alors, un des trucs que j'essayais de faire, c'était de commencer à abandonner la souris et d'utiliser les touches en fait. Alors attends, je vais mettre comme ça. Donc là, à droite et gauche, bas et haut. Et essayer d'augmenter un petit peu en productivité en utilisant Vim. Et je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur que je vais vous partager. Que c'est mon youtubeur préféré en ce moment, c'est celui que je suis le plus. Il est aussi sur Twitch, vous devriez aller voir. Il s'appelle Primogen, c'est lui là. Complètement taré. Et il a fait des séries de vidéos ou qui s'appellent Using Vim. Je sais pas si vous entendez.
priori, ouais. My name is the Primogen and I have been using Vim for about 8 years. Et bref, il donne des conseils pour maîtriser. Je crois qu'il les montre. Ces commandes là. Et vous commencez avec que ces commandes là. Et après, du coup, vous pouvez être capable d'aller à la vidéo 2.6 et 6 vidéos qui va de jusqu'à ce que je connais rien jusqu'à ce que je maîtrise. Et un autre conseil du coup qu'on m'avait donné pour revenir à ça, c'était d'activer seulement dans mon VS Code l'extension pour simplement me familiariser avec les shortcuts. Et après, quand je me sentirais bon, peut-être un jour de switcher sur Vim. Voilà. C'est tout. Parenthèse fermée. Alors, il y a un truc qui est problème, c'est que si tu restes appuyé longtemps, ça ne marche pas. Il faut faire une manipulation. Et j'ai oublié ça, j'ai cherché hier sur le Mac du boulot. VS Code Vim. Comment ça s'appelle ce truc que je veux chercher? C'est que quand tu appuies, ça répète la touche. Repeat key. Ouais, c'était ça. How do I press a key? Tout machin. Nanana. Et je crois que c'est ça. Ok. Et si maintenant. Non, c'était pas ça. Du coup, ça a pas marché. Et j'en avais lu plusieurs. For VS Code, for VS Code. Si, ça m'avait l'air d'être ça. Ça marche pas. Alors, je sais pas s'il faut pas que je redémarre VS Code. Oh, oh, bah, bah. Ok, est-ce que maintenant ça marche? Activation des extensions, oui. Non, ça marche pas. Attends, il y a un peu de mal à se remettre. Ah si, ça marche. Youhou! Bon, ça marchait pas en tout cas, j'avais pas ce truc répétitif. Donc, on va masquer ce qu'on doit masquer, ce qui n'a rien à faire ici. J'espère que vous êtes toujours là dans le chat, vous êtes toujours cool. N'oubliez pas, j'ai l'objectif d'aller aux 50 followers pour pouvoir activer des options qui rendront ce moment beaucoup plus cool. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez des potes qui peuvent être intéressés, vous partagez ça sur Twitter à vos potes. On sera en live tous les jeudis de manière sûre et le reste c'est du bonus. Quand je peux je le fais, quand je peux pas je ne le fais pas. Là j'ai réussi à trouver quelqu'un d'assez fou pour garder mon gosse, du coup je suis là. Ok. Donc là ça marche. Mais je suis pas dans le bon. Même ça, le fait de voir... passer d'une fenêtre à l'autre, j'ai pas toujours les raccourcis dans VS Code. Des fois, il y en a certains qui se conflictent avec Mac et tout. C'est chiant. C'est embêtant, pardon. Ah bien. Ok. Là, j'ai tous mes tests qui passent. Ok. Bonjour. Je sentais le talent ici, alors je suis venu en prendre un peu. Merci Azura. Je sais pas si tu parles de moi. Probablement que non. Tu dois parler des gens qu'il y a dans le chat. Ils sont eux des tueurs. Vous êtes des tueurs. En tout cas, si vous voulez devenir des meilleurs devs, c'est que... c'est que vous êtes bon. Donc là, il y a deux trucs qui viennent dans ma tête en même temps. La première, c'est de cleaner ce truc-là. Et la deuxième... Et déjà ça, de ce qu'on peut faire, ce que j'aime bien faire, moi. Parce que, quoi qu'il arrive, on s'en fiche un peu. Ah oui, c'est vrai que j'ai les raccourcis clavier. Il faut que j'arrive à m'y remettre. Donc c'est, pour descendre, c'est ça. Pour passer en mode... Voilà, c'est ça. Donc ce que j'aime bien faire, c'est ça. Il me fait pas... Voilà, et faire un truc helpers. J'aime bien faire ça. Et donc ici, me créer une petite fonction qui va être set intern set spawn process.
C'est pas ça que je veux faire. C'est cette... Oxy. Si, si. On va dire ça comme ça. Qui prend une write fn en paramètre. Et qui, du coup... Donc, il va prendre deux choses. Je vais essayer de le faire avec les touches comme ça. Ah, je peux plus me déplacer, faut que je reparte en mode comme ça. Et là, que je remette en mode insert. Et du coup, on va mettre, il me faut un scénario ou un proc. Et la write function. Le titre, je l'aime pas. Set. Ou plutôt, ça va être mock. Write. From. Rock. On va plutôt le laisser comme ça. C'est techniquement ce que ça fait. Ça va prendre proc. Et ça va faire égal. Un objet. Dans lequel j'aurai un std in. On a write qui va être le write fn. Cet encoding. Qu'est-ce qu'il est intelligent! Qu'est-ce qu'il est intelligent! Vous comprenez ce que j'essaie de faire? Comme ça, on va pouvoir s'abstraire de tout ça de l'autre côté. Et du coup, tout ce beau monde là. On va pouvoir le dégager. Et là, on va faire. Et voilà! On va faire. Pour sauvegarder, c'est -w. Et ça trigger les tests. Et ça fail. On a cassé quelque chose. Alors, est-ce que j'ai refait la même bêtise? Ouais, ça peut pas marcher, je suis complètement débile d'avoir fait ça. Et vous l'avez pas vu, vous? Et vous l'avez pas vu? C'est impossible, là, je lui passe un objet et... Ah, quoi que ça devrait être la référence, normalement. En fait, j'ai l'impression, si je fais plutôt ça, et plutôt ça... Hop, et que là, tout ça, et que là je fais, ah, je me trompe encore un peu, faut pas m'en vouloir. Property, proc. Ah mais c'est pas proc, quel débile. Ah ça je l'ai pas remodifié du coup. Alors déjà ouais. C'est pas bon ça. J'avais pas effacé ce truc là. M'insuffisent pas les bonnes touches. Alors normalement on peut faire un truc. Oh, I am a Vim expert. Oh. Pas tout le temps. Donc tu fais des... Oh. Se calmer. Ok. Non. Boum. Et ça passe. Ouais, j'avais effacé, mais en fait j'ai dû faire une fausse manip. Donc en fait, ça me permet d'abstraire de mon test. Tout ça. L'input. Peut-être que l'input, je m'en sers que dans les expected arguments. En fait, ce que j'aurais bien fait... Ah non, bah non.
Ouais. On va laisser comme ça. Pas trop se casser la tête. On va essayer maintenant de revenir. Alors dans le code, si je veux repasser à cette fenêtre. Oui, joli. Donc là, il rajoute quelque chose. Maintenant, le deuxième cas qu'on va vouloir gérer, c'est ce cas-là. Test. It should. Plutôt, on va recommencer tout à l'heure. Write in. Write in. Should not. Add. Backslash n. If. It's. Already. In the. String in the input. On les termes. Pourquoi il me l'a mis? Ah oui, c'est vrai que. C'est drôle, tu vois, j'ai plus le formatage, mon CTRL S, il auto-formate plus le code. Je suis passé sur Vim là. Drôle, hein. Alors, ah, ça marche pas comme ça. Me détestez pas, hein, promis. Ah, c'est ça. J'ai aussi à faire www pour avancer mot par mot. Voilà. Hop. Hop. J'aime pas quand il fait ça. Rien du tout. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que t'es pas content, toi? Hop. T'as vu, il me l'a repassé en... Il me le reformate. C'est drôle, ça. Settings. C'est où qu'il y a le fichier JSON, je garde toujours. Ah. On veut pas. Il a mis des trucs sur Vim ou pas du tout? Bah non. Ouais. Je crois que je vais être obligé de déjà le truc Vim là. Non, même quand je fais ça, et de reformater, il me reformate les trucs comme il faut pas quoi. Du coup on va le virer. Il pourrait plus me voir souffrir, je sais. Je sais que c'était plaisant. Non, en fait, c'est juste que faut que je check cette compatibilité là. Disable. Reload required. Génial. Et si je fais ça. Attends, c'est pas encore bon. En fait, j'ai l'impression que Prettier fonctionnait plus. J'étais en mode Vim. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Wow, d'un coup, j'ai pété un truc, je sais pas. Et ça marche plus en fait. C'est ouf ça! Quoi ce délire? Voilà, il me le passe pas pourtant. En fait, c'est parce qu'il voit peut-être les caractères. C'est le backslash n qui le fait. Non. On va faire ça. It is. Quelqu'un qui dit quelque chose dans le chat. Ah ouais, c'était ça. Ça faisait bugger en fait le fait d'avoir des backslash n. Ouais, j'ai vu ça à Zora aussi, j'ai pas testé. Enfin, j'utilise pas en plus Adonis tous les jours au taf, donc. Mais j'espère que Romain va nous le présenter dans un de ses lives. Donc voilà. Salut, vous avez une extension debug pour VS Code. À conseiller pour debug quoi exactement? Calum, bienvenue à toi d'ailleurs.
N'hésite pas à nous dire. Donc on va avoir un truc. Ah, c'est intéressant. Alors comment il nous a écrit le scénario ici? Il faudrait déjà qu'il fasse des lives. Bah, on va lui dire. On lui passera le message sans aucun problème. Alors, comment il nous a fait ça? Donc là, il nous prend un clic, enfin, il démarre un clic, il en passe un avec le backslash n. Et du coup, je suis pas censé me retrouver avec deux backslash n. Est-ce que j'ai en input ici? C'est ce que je suis censé avoir ici. Donc c'est pas censé bouger. Pourquoi tu me fais ça? Et c'est censé être la même chose. Sauf que là, ça c'est censé pas marcher. Non. Je rends compte que les consoles ça marche pas très bien là. En train de me mettre notre js.org alors qu'on est sur le repo clicks. Juste comme ça, juste kill terminal. Trace guide. Qu'est-ce que tu... Ah, ça va pas du tout. LS. Server.js. Ah ouais, mais c'est drôle. Tu dans clics et j'ai le terminal de autre chose, en fait. Arrête. J'ai mis tellement mal VS Code. Node. Node.js.org. Et j'ai des terminaux qui n'ont rien à voir, quoi. Oh là, c'est bien. Et du coup, bah, l'autre, on va le kill, en fait. Pourquoi il fait ça? Un gros bug, ça. Pour avoir une console JS avec un peu plus de détails que la Node.js ou JavaScript par défaut de VS Code. Moi, j'avoue, j'utilisais vraiment ce qui était basique, c'est-à-dire le debugger de Chrome. C'est vrai. Du coup, en activant ici le run debug ou alors le JavaScript terminal, ça dépend. J'ai utilisé un peu les deux. JavaScript debug terminal, c'est pas mal, ça te permet juste d'ouvrir un terminal de debug. Tu runs ta commande node dedans. Et s'il y a des breakpoints, bah, il va s'arrêter de ce côté-là. Sinon, pour aller un peu plus loin, je sais pas jusqu'où tu veux aller, mais t'as ça, qui est vraiment pas mal. Écoute, je sais pas s'il était précis ou pas. Moi, je sais que j'ai utilisé encore pas très longtemps. Mais sinon, j'utilise pas mal ça. Quand j'ai des besoins un peu plus complexes, on va dire. Par exemple, t'as un flame graph qui est vraiment pas mal du tout. Vraiment, tu fais débugger, etc. Et t'as sa version minimaliste qui est 0x. Voilà, c'est David Marc Clément. Donc, très connu dans la communauté. Je sais pas qu'il ait changé sa photo. Il a fait celui-là et qui donne aussi un flame graph. Alors, yesh. C'est drôle parce qu'ils mettent pas de. Ah, c'est dommage, ils mettent pas d'affichage. Hop. Voilà, ça te donnera un truc comme ça. Aussi, tu peux débugger, voir ta stack trace, voir là où tu vois, il faut potentiellement t'optimiser un peu les choses. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc, n'hésite pas à me dire. Et puis, pour l'histoire de Chrome, je suis un peu surpris. Écoute, j'ai peut-être pas eu l'info. Ok, donc là, on a ce test-là. Normalement, celui-là, il est censé carrément fail. Est-ce qu'il va nous mettre la diff entre les deux? Un console log de ça. C'est vrai que c'est pas ouf parce qu'on sait pas trop. Ce qui veut dire que ce qu'il y a en plus c'est le backslash n. Ah, ça c'est des logs encore, faudrait que j'essaie de les. Console warn.
Non, je les vois pas non plus. Un peu dommage. Oh. Est-ce que c'est le fait de le runner comme ça qui fait que je me redonne pas la console? Ah. Spec, non. Ça. Non, c'est qu'ils me le mettent pas. Essayez ça. Ah. Ouais, peut-être qu'il y a deux au lieu d'un expected actual, mais j'arrive pas vraiment à comprendre. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'ils nous mettent là. Je comprends pas. Alors pourquoi le console log s'affiche pas, ça c'est une autre histoire, on va voir après. On va partir du principe que c'est normal que ça fail. Et donc là, c'est là où on va avoir un truc du type. Un truc très crade et on améliore après. Value.includes backslash n. Alors on met la value. Otherwise, value plus ça. Va l'autocomplétion. Oh, plus du tout de batterie. Après, c'est pas très très grave. Ah ouais, batterie low. On va switcher de casque, si je vous dise. 2 secondes. Je fasse un petit réglage. Voilà. Je suis revenu avec un casque que j'utilisais il y a longtemps. On lance pas mon test tape là? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, boum. C'est très moche hein, tout ça. Je vais devoir vous laisser. Je vous laisse, mais quelle honte. Merci à toi mon Jopi. Calum, merci à toi, merci pour le follow. Bienvenue à toi dans la communauté, ça parle Node.js, ça parle open source. Et tous les jeudis on se retrouve le midi pour coder et en plus du le reste du temps quand j'ai du temps. Voilà, merci à toi en tout cas pour le follow. Jopi, prends soin de toi. Sans toi, c'est dommage, t'as pas attendu dans le chat ta voix suave conter tes histoires de codeur. Bref. Bon week-end à toi. Bon, bah là, on a à peu près traité le cas qu'on voulait. Quand je vois 12 ici, je me dis que je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai un commit depuis tout à l'heure. Tu as 9 followers avant d'atteindre le goal. Alors. Donc là. Ça pourrait être aussi l'occasion de le virer, mais pour l'instant les tests passent. On va pas. Je ne sais
C'est drôle, c'est que quand... Alors ça, je vais fermer, ça, je vais fermer. C'est que quand je sauvegarde dans un test qui relance. Par contre, il relance pas... Bref. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voiture. Ok. Voilà, ça gère le problème. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est vraiment ouvrir un nouveau terminal aussi, nous rendre dans les exemples qu'on était en train d'écrire tout à l'heure. Ah, la musique est un peu forte pour moi, là. Baisser un peu. Du coup, je vais la augmenter peut-être un peu pour... On me dit, hein, si jamais c'est trop aussi... Donc là, on est dans JS Example, et donc je vais faire un coup de node test. C'est bon, ça marche toujours. Si. D'ailleurs, un autre truc qu'on va pouvoir faire, et c'est ce que je prépare ici avec ça, c'est qu'en fait, tous les exemples qu'on va avoir ici, on va avoir un fichier test. Il faudrait qu'on exécute ces fichiers test aussi dans la CI, de manière à voir, justement pour les tests de langage comme ça, ou... Là, j'ai fait que des scripts dans mes fixtures. J'ai dit, on fait tout en bash. OK. Mais tu vois, on a introduit un JS. Ça nous fait modifier le code. Mais ce serait cool qu'on ait dans la CI aussi un step pour ça. Donc là, moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de changer un peu ça. Donc, ce que j'aurais bien fait, c'est une petite format input. Function, je vais prendre une value. Si je devais écrire la doc qui va prendre du coup une string, voilà, plein. Ouais, on peut laisser ça, c'est pas bête. Et on peut faire un petit coup de return et prendre ça. Normalement, c'est pas bien parce qu'on devrait checker parce que j'ai pas plusieurs lignes et tout. On part du principe que dans l'API, si le mec il a plusieurs lignes, il passe un tableau. S'il passe un tableau, pour l'instant ça n'existe pas, mais quand l'API existera, on gérera l'API explicitement. Un input est égal à une ligne. Bon. Et maintenant, voilà. Juste handle ce cas-là. Et. Donc là, const input, this formatting value, et là en bas, input. On va retourner sur nos tests, et rerun. Alors là, il est rerun pas. Non. Boom. C'est bon. Donc voilà. Alors là aussi, on peut rajouter un peu de JS doc. Après, on va s'en aller peut-être commit tout ça. Parce que je suppose que vous en dites. Il y a encore du monde qui est arrivé. N'hésitez pas à vous présenter. Si vous êtes sur la chaîne Twitch de Tonigo, votre humble serviteur. Si on parle Node.js open source, là on bosse sur un projet open source qui s'appelle Clix. Je vais te remettre le lien dans la description si tu viens d'arriver. C'est le lien d'une pull request, tu t'en fous, tu revas sur le menu, tu vas retrouver le README. Et là on commence à essayer de finir un peu ce qu'on fait. Ah, faut que je regarde mon phone parce que j'ai mon masque. Ouais, j'ai pas eu de message. Ok. On va continuer. Donc les tests passent. Alors un truc que je disais tout à l'heure. Donc Antoine et tout, vous avez déjà l'habitude. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'on run les tests unitaires en 500 millisecondes. 420 là. Bon, faut avoir une moyenne. Si je run les tests fonctionnels. J'espère qu'on les a pas pétés.
6 secondes. Et du coup, on travaille pas pareil sur les tests fonctionnels que sur les tests unitaires, encore une fois. Donc, tout ça pour dire ça, qu'il faut faire un peu attention à avoir des tests qui sont rapides, c'est hyper important. Ça, c'est cool, les tests passent. On a dit qu'on voulait ajouter ça, donc value, c'est... On va plutôt l'appeler... Raw. Raw input. C'est la famille. Raw input. Ok. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'exister? Est-ce que j'ai besoin de coder puisque il m'écrit des trucs pour moi? C'est sympa Copilot, à part les petits cas qu'on a eu tout à l'heure qui étaient un peu chiants, franchement c'est de la balle. Ok. Ça c'est bon. On va passer un peu sur les tests, est-ce qu'on peut encore simplifier? Ça, j'aurais bien descendu ici pour une histoire de lisibilité. Un peu mieux quand même. Pareil là, hop. Chaque fois qu'on change, on rerun. Écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Maintenant, on a un sacré paquet de bazar. Et je pense que... comme j'ai pas committé jusque-là... Je pense qu'on peut déjà bouger... Ce qui est exemple. Ce qui a été... Comme ça. Ce qui est relatif aux exemples. On a changé juste le nom. Core. Example. Rename. Vas-y. Folder. Ça s'est poussé. Ça s'est mis. Ensuite, on va repasser vraiment sur les changements que sont les nôtres. Donc ça, je laisse de côté, on va essayer de d'en parler tout à l'heure. Il sera peut-être pas sur cette... sur ce commit, c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui. Mais déjà, ici, on a de quoi regarder. On a renommé proc pour publiquement pouvoir l'utiliser. Write in proc aussi. On a modifié cette fonction-là. C'est pas... C'est, encore une fois, hein. Pas toujours génial, on pourrait peut-être toujours un peu improve, rajouter de l'expressivité, etc. Au fur et à mesure, on va continuer de rajouter des tests et de cleaner des parties. Je pense que c'est pas trop moche non plus. Ok, donc là, scénario je prends, et on a nos deux test cases. Donc voilà, avec l'import des modules, l'import de clicks. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de l'expressivité de ces tests-là. Write proc, write in proc. Add. Ok. Pas trop. Pas mieux pour l'instant. Même ça m'avait l'air d'aller. Par contre, j'aurais bien écrit une autre petite fonction.
py pyfn Avatar return. Python calls at pas joli. Alors en fait, j'aurais très bien pu faire ça en fait. Peut-être beaucoup mieux. De faire un return. Ça, ce serait Python. Et du coup, ça me permettrait de faire ce type-là. Ça va être get argument from spy. Ça marche. Vous voyez, ça ajoute un petit peu d'expressivité et tout, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout qu'en fait, Actual argument. Ah, ça m'a l'air mieux. Je me tâte à essayer aussi. J'ai l'impression que le plus, tu vois, comme ça, explicite, tu vois, ça le met plus en avant le backslash n, et c'est ce que je comprenne. Ok. Bien fait de repasser dessus. Ok. C'est bon. Comme je suis un parano, on va faire un test. Ball. Ah. Intéressant. Test à exemple.js. Ah oui, il essaie de runner tout ça. Test. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Ah, parce que c'est pas du... Bon, j'avais fait ma commande. J'ai bien fait de la checker parce que... Ah ouais. Test. Regardez, je peux pas faire la regex spec et test. Si elle n'est pas, donc j'ai ça. Alors c'est tout ce qu'il y a là-dedans. On va appeler script. Bon, ça devrait plus de problème. Vous voyez, il y a les tests qui passent très vite. Il reste seulement les tests de spec qui passent vite. Il reste toujours l'autre. 6 secondes en tout. Ce qui est pas trop mal pour une TI. Ok, donc là c'est bon. Ça, on va mettre. Slash n. Ok. C'est bon. Maintenant, si je fais ici node en script. Exemple, un petit mot. Changer. Basique. C'est
En plus. Là, il te dit que c'est pas bon. On va aller pusher ce code là. Faire la PR. Regardez ça après, parce que déjà 1h30 que vous êtes là, vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être envie de parler ou de faire autre chose. Là on a la CI, ready for review déjà. Voilà, si vous avez envie d'aller review, la PR elle est là. Et là on a la CI qui tourne. On attend de voir qu'est-ce que ça donne dans la CI, tout ce qu'on a rajouté. Plaisir. Plaisir d'avancer avec vous, par clics. Normalement la CI, bon, vous avez vu 6 minutes, donc ça devrait pas être très long. Boum, sur 16 c'est passé, ça passe pas sur 17. Et je pense d'ailleurs qu'il va falloir que je rajoute 18. Là on peut se créer une petite tâche, qu'on pourra mettre dans la version 2. Core CI add as ported version. Voilà, indiquer après. Ok, donc important d'essayer d'expliquer texte. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors comment ça avance cette petite session? Ah, ça doit qu'il était parti en vacances, Punisher. Et il est revenu. Mais écoute, là, on a poussé la CI et tout. Il va falloir que je remplisse un petit peu cette paire pour dire to improve DevX. It should be nice. Have a folder of testing, folder of example within current wages. And example that is folder better logging statements. So, si j'avais un peu pour c'est ça, et main, pas de truc. Better DevX. Et l'autre truc qu'on a en gain, ça va être de Better Developer Experience. Et l'autre c'est. Enfin, je sais. Deadline Program. Deadline program. Fine. Voilà. Histoire d'avoir un peu de ça. Le dernier truc sur lequel on pourrait bosser, mais ça peut être un peu. Est-ce que je. Execute this test. Test example. Ça qu'on va exécuter. En fait, avant de faire un import, je fais
Un truc de gros gougnafier, mais peut-être ça peut me faire gagner du temps. Exec. Child process. C'est vraiment dégoûtant ce que je fais. On n'a pas en maïs. Pas très grave. Exec. Un CD. Exemple. Test. JS. Et un import. Test. Donc là-dedans, effectivement, boom. Là, on lance le test. Hop. Std out, Std R. Comme ça, c'est un peu cracra, mais je sais pas, me casser la tête de faire que le code, machin, je sais pas quoi. Ah, mais il va pas attendre cette andouille. Oh. Ah ouais, j'ai pas moyen d'étendre. Ah oui, c'est peut-être ça. Raison. Quoi? Cannot find project leaks script test. Là, je te fais un CD. Désolé, il y a un mec. Et les travaux à côté, je sais pas si vous l'entendez. Je suis en train de galérer avec un truc de daube. Je pensais que si c'est ça. Après ce serait comme si le process était... non. Et en fait, lui, il reste. Bizarre ça. Et du coup, voilà. Donc, si je vire ça, déjà au moment le fichier là. Si je suis ici, toi tu veux ça, je suis dans. Exemple. S. Tu mets exemple, ça n'existe pas. Test. Ah. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu runs ce script-là, il va te mettre false. Parce que quand tu le runs depuis ici, c'est... Il faudrait que le script soit générique au point que... si je me trompe pas... En fait, à partir du moment où tu fais bin.js, il sait pas ce que c'est que bin.js ici. Il faudrait qu'en gros, ici, je passe un passe absolue. Ça me gonfle. je pense qu'on va le faire la prochaine fois. Parce que là j'en ai un peu marre, puis il y a les travaux à côté et je dois récupérer mon gamin dans pas longtemps. Donc on verra si j'ai un peu de temps, je reviendrai dessus, ou si j'ai 2 minutes là je le ferai un peu en off. Mais l'idée ce serait d'exécuter. Alors ceci étant dit, on peut peut-être regarder un truc.
Parce que je sais que sur Babel, pour le peu de fois où j'avais regardé ce code-là, runtime integration, et je sais plus comment il faisait script. Ok, il traînait un truc comme ça. C'est peut-être un truc comme ça qu'il faudrait faire. Peut-être c'est un truc comme ça que je devrais faire. Je sais pas. Mais sinon, il faudrait que... Du coup, si je te fais un coup de scénario, si par exemple je fais ça avec un coup de debug devant, rappelez-vous, j'ai une commande de debug. Donc là, il te met des erreurs du type bin.js n'existe pas. Parce que depuis l'endroit où toi t'appelles la commande, il comprend pas, tu vois. Donc moi, ce que je m'étais dit, on pourrait avoir un truc du genre const avoir ça. Je fais un console.log de ça. Là, il te fait ça. Sauf que j'ai peur que quand je le passe là, lui... je suis dans Clix. Et quand je vais le runner depuis l'exemple folder, ça marchera... Ça marchera jamais. Donc c'est là où il y a un truc que j'ai pas l'habitude de faire, c'est de run des scripts depuis un folder qui sont des sous-scripts. Je crois que j'ai déjà fait au taf. Je crois qu'au taf, on fait des gros CD avec une librairie à 2€ et que ça marche justement. Mon idée tout à l'heure de faire le CD. L'idée, ça aurait été de faire... Alors après, peut-être qu'on fait... Peut-être pour qu'il soit run script et que le mec qui veut le run en local, il utiliserait... commande, tu vois. C'est pas que ça fonctionne. Mais comme mon but là c'est de le faire runner, au pire c'est pas très grave. On commencera comme ça et puis on verra après. Donc là ça va être un coup de node. Plus. Et là on va avoir une string composée. Ah c'est ça l'idée. Alors c'est pas script exemple, je sais pas pourquoi tu veux me faire faire ça. Comme on démarre de clic, ça va être exemple js test js, un truc un peu comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui me... Ça a pas l'air d'aimer ça. Bah non, c'est bin que je veux mettre en douille. Ça marche pas. X example spin.js. X. Project X example. S. Not such file or directory. Est-ce que je... comme étage. On est bien d'accord qu'il existe ce folder là. Que fais-je? Ah oui, mais je veux pas de node moi. Ah oui, non, mais c'est oui. On l'endouille. Oh non, ça c'était bien. C'est bien. Mais en fait, faut pas utiliser ça parce que ça, en vrai, c'est pas du tout.
cross-plateforme complet, donc si tu veux runner sur Windows. Ok, donc ça marche déjà. Ok, cool. On va juste la jouer différemment. On va faire const pass et t'es... Oh, pilote, t'es cool, mais pas tous les jours. Assert, on va faire un import pass from. Ah. Et dans pass, on va faire pass.join. Et donc on va faire plutôt faire si c'est ça. No, CW plus. Et donc c'est là où du coup. Désolé, je sais pas si vous entendez le voisin. Pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Et donc là aussi, c'est pass. Ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va faire espace. Oui, c'est ça. Et voilà. Tu peux m'arrêter ça. Pass is defined but is never used. Effectivement. Bon, déjà, on va pas faire ça. On va utiliser les bons raccourcis. Heureusement que j'avais dit que je m'arrêtais. Ouais, mais du coup, tu peux pas comprendre ça. C'est tout à fait normal. Donc là, ça marche plus. Pourquoi ? C'est ouf le bruit qu'il fait le mec en haut, je sais pas si vous l'entendez. On dirait qu'il est en train de faire des trous dans le plafond. Quel est le module qui est pas found? Pass.join. Ah ouais. J'en ai marre. Node user projects x example js. Faire 250 fois les mêmes erreurs, quoi, c'est. Ok. Mais par contre, si maintenant je vais ici dans example js et que je fais un node test, ça marchera plus. Mais c'est peut-être top. Ah, c'est cool si vous entendez rien. Franchement, il fait un tinton le mec. Et ça va me permettre de rajouter un dernier truc à la CI. Minima. Test. Quand on voudra rajouter 18, il y aura juste à rajouter 18 ici en fait, hein. Ce sera pas compliqué. Run fonctionnel. Et là, on va faire run example. Example test. npm rust example. Ok. On a all. Dans all, il n'y avait pas. Parce qu'on mettra pas examples. Node script. Rename. On va le tester. npm run test examples.
Ah mince. Des inattentions. Nice. Donc là, on a ça. Ça, c'est plutôt cool. Donc, qu'est-ce qu'on a modifié au final? Ça et ça et ça. Sachant que, bon, seul downside de ça, c'est que pour le moment, on pourra pas le runner depuis le fichier lui-même. Parce qu'il va gueuler, sinon, faudra aller dans example et puis il est runné comme ça. Mais bon, là, le but aussi d'un fichier example, c'est qu'il soit consulté en statique comme ça. Et notre but à nous, c'est de pouvoir runner le test à minima. Donc il faudra voir en fonction de où c'est appelé. Est-ce qu'on peut pas avoir un argument qui passe coworking territory ou un truc comme ça, mais je... Alors, core, test, add example, test. On te push tout ça et on retourne pour conclure ici. Et là on va regarder la CI et c'est là qu'on voit si on a tout cassé ou pas. N'hésitez pas si vous voulez lâcher 2-3 reviews sur la PR. Je la republie vite fait. Vous êtes les bienvenus. Ce projet est le vôtre. Aussi une autre PR en attente. Bon, on a une petite discussion avec la personne, on n'a pas trop la même vision, il faut qu'on échange sur ça. Et on a une autre paire aussi qui est en attente, ou quelqu'un essaie de mettre des exemples en C. Voilà, voilà. Merci à tous ceux, je vois que les gens commencent à partir. Gros bisous à vous, prenez soin de vous, plein de force. Et normalement, demain, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Et voilà, donc je vais vous laisser, s'il y en a qui veulent review, je sais pas, il n'y a personne à montrer encore en reviewer, up to, parce que si je tape Frax, il n'y a personne encore pour l'instant, donc n'hésitez pas à y aller vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était trop cool, on a augmenté 2 followers et on manque encore un petit peu, et puis voilà. C'est drôle, on voit Baby Yoda ici, qui fait dodo. Trop cool. Voilà, voilà. Bon, c'était un gros plaisir de vous voir là, répondant. Et je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao.